porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos. No me ames, que comprendo la mentira que sería. Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día. Donc si vous ne vous souvenez plus exactement comment faire un bop, je vous invite à aller voir mes vidéos débutantes où je vous explique notamment comment faire un bop. Donc, et 1, jambe droite en arrière, jambe gauche tendue, je fais le loup en ombre chinoise, je monte le bras en faisant un rond de poignet, ma paume de main regarde vers moi, puis elle regarde vers l'extérieur, coude et poignet fléchis. Donc, et 1, 2, 3, je viens me coiffer avec ma main droite. Et 5, 6, 7, je fais mon pas de base, je vais juste lever le bras gauche tout droit devant, 5, donc c'est toujours le poignet qui emmène le mouvement, 5, 6, 7, et je me coiffe. Je fais toujours le loup. Donc ça donne, et 1, 2, 3, 5, 6, 7. De là, je vais revenir faire 1, 2, alors mon 1, je le marque un peu plus en arrière et je plie bien dans les genoux pour donner un effet. 1, 2, cette fois-ci 3, je vais le poser devant. 3, donc pas au milieu comme mon pas de base, mais je le pose devant. 3, 5, je touche avec ma jambe gauche derrière. 5, 6, je fais un tiré avec ma jambe gauche en arrière. J'étais là, 5 en touch, 6, je fais mon tiré, et 7, 8, je viens tout simplement croiser ma jambe droite devant ma jambe gauche. Et je vais mettre ma main gauche sur ma tête. Ça, après, vous faites ce que vous voulez, moi je fais ça. Ça, ensuite, donc déjà de là, ça donne, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, donc vous voyez là quand je touche à 5 avec ma jambe gauche, je plie dans les genoux pour donner un effet. 6, 7, 8, je le fais sur 7, 8. Alors vous pouvez le faire au sol, croiser au sol ou croiser en l'air. Deux options. De là, je vais faire 1, 2, 3, pas de base. 1, 2, je m'oriente un petit peu en diagonale vers la gauche. 3, je croise ma jambe droite devant ma jambe gauche. Et de là, je vais faire les sous-écus. Vous verrez, une vidéo viendra en débutant en salsa où je vous expliquerai comment faire le sous-écu. Donc, 5, je croise ma jambe gauche devant. 6, je décale ma jambe droite derrière. 7, je recroise ma jambe gauche devant. Je refais la même chose sur 1, 2, 3. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui passe devant. 1, 2, ma jambe gauche se décale. 3, c'est ma jambe droite qui se recroise devant. Donc, il faut être bien genou dans genou. Donc, ça fait 1, 2, 3, je monte de dos. Donc, jambe gauche, 5. Vous voyez, je suis bien genou dans genou pour décaler ma jambe droite derrière, 6. Pour redécaler ma jambe gauche devant, 7. Et là, ma jambe droite croise devant, 1. Je me remets genou dans genou. 2, je décale ma jambe gauche derrière. 3, je décale ma jambe droite devant. Alors, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est jouer sur les hauteurs. Si vous avez vu, moi, le premier, je vais le faire très bas pour remonter ensuite et ensuite pour être un peu plus basse. Des fois, je joue comme ça avec les hauteurs, vous pouvez vraiment chercher à le faire. Alors, il ne faut pas que vous soyez jambes tendues, sinon ça ne va pas rendre la même chose et vous allez avoir du mal à le faire. Il faut vraiment être jambes pliées. Et genoux dans genoux. Donc n'hésitez pas à jouer avec les hauteurs. Au niveau des bras, vous faites ce que vous voulez là. Donc ça donne. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Et là, ce qu'on va faire sur 5, 6, 7,
croiser avec la jambe droite, donc on fait que des touches. On croise avec la jambe droite, donc un touch c'est quand je pointe en fait avec un pied mais que je ne mets pas le poids du corps dessus. Donc 5, je croise ma jambe gauche devant ma jambe droite en touchant. 6, je croise avec ma jambe gauche sur le côté gauche, point de pied tendu, jambe tendue. 7, je vais venir chasser ma jambe droite. Donc ma jambe gauche revient au milieu et chasse la jambe droite. Donc du Suzy-Q, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, et là ça fait 5, 6 et 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, c'est parti. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, c'est parti. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Partie 2. Du coup, on est arrivé en appui, jambe gauche et la jambe droite étendue sur le côté. Là, je vais décaler ma jambe droite loin derrière et je fais un glissé. Donc, j'emmène ma jambe droite en arrière, je mets le poids du corps et je laisse glisser un petit peu ma jambe gauche. Donc ça, je fais 1, 2, je croise ma jambe gauche devant ma jambe droite, 3, je repose ma jambe gauche devant. Au niveau des bras, ça va faire 1, 2, 3. Donc, j'emmène mon bras droit en arrière et ensuite je viens coiffer tout simplement. Et au niveau de mon bras gauche, je fais un arc de cercle. Ma main vient se positionner ensuite sur ma hanche droite. Donc, je suis arrivée là à 8, je fais 1. Donc, à 1, mon bras droit est en l'air. Mon bras gauche est au niveau de ma hanche droite. Et ensuite, sur 2, 3, je me coiffe tout simplement et je redescends mon bras droit en position normale et mon bras gauche revient lui aussi en position normale. Donc, 1, 2, 3. De là, je vais faire 5, je marche jambe droite. 6, je marche jambe gauche. 7, je ne fais rien. Ensuite, je fais 1, je me décale sur le côté avec ma jambe droite. 2, je croise derrière avec ma jambe gauche. 3, je remarche jambe droite en croisant. 5, je marche jambe gauche, un petit peu en diagonale. 6, je croise jambe droite en diagonale. 7, je marche jambe gauche toujours en diagonale. Et 8, je pointe, je touch en croisant devant avec ma jambe droite. Donc, on est arrivé là à 8. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, gauche, droite, gauche, touch à 8 devant en croisant. Donc encore, ça fait 1, 2, 3, 5 jambes droites, 6 jambes gauches, 7 je ne fais rien. 1 jambe droite, 2 jambes gauches en arrière, 3 je remarche jambe droite, 5 je marche jambe gauche, je m'oriente en diagonale, 6 je croise jambe droite, 7 je décroise jambe gauche, 8
je touche en croisant ma jambe droite. De là, je fais 1, je pose ma jambe droite à peu près à côté de ma jambe gauche et je mets le poids du corps dessus. 2, je pars vers l'autre diagonale, vers la droite, en croisant avec ma jambe gauche. Je croise ma jambe gauche devant ma jambe droite. 3, je tombe tout simplement ma pointe de pied, je fais un touch. Là, ce que je vais faire, je vais marquer le 4 en marchant sur ma jambe gauche, sur ma jambe droite, pardon. Là, ce que je vais faire, donc je vais marquer le 4 en marchant sur ma jambe droite, je répète. Ça va faire 4. 5, je marche jambe gauche devant. 6, je remarche jambe droite. 7, je remarche jambe gauche. Donc, on est arrivé là. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, je marque le 8, 1, jambe droite, 2, jambe gauche, 3, je touche jambe droite, 4, je remarque jambe droite, 5, jambe gauche, 6, jambe droite, 7, jambe gauche. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Partie 3, donc on est arrivé ici en position centrale. On va venir faire un tour à droite, donc 1, 2, 3 pas de base, 5, 6, 7, je fais mon tour à droite. Donc je rappelle, 1, 2, 3, 5, j'avance jambe gauche, 6, je pivote sur la jambe gauche, et 7, je rassemble sur ma jambe droite. Donc au niveau des bras, ça va donner 1, 2, 3, donc en fait je viens préparer avec mon bras droit, je viens, je le sors en arrière, sur le côté je fais un arc de cercle et je viens positionner ma main droite au niveau de ma hanche gauche. Et tout simplement, mon bras gauche, je le lève en arrière. Tac, comme ceci. Donc ça fait 1, 2, 3. Ensuite, pendant la rotation, je vais venir me coiffer avec ma main gauche. 5, 6. Pendant ce temps, mon bras droit passe de ma hanche gauche à ma hanche droite, donc 5, 6. Et là, avec mon bras droit à 7, je vais venir me décoiffer avec ma main droite, comme ceci. 7. Et là, ce que je fais, je plie un peu dans les genoux et je remonte. C'est tout simplement pour donner un petit effet. Parce que dans le dernier chat, on avait vu le tour à droite et le tour à gauche en salsa 1 intermédiaire. Et du coup, là, je voulais rajouter un petit effet de style. Donc, ça fait 1, 2, 3, 5, 6. Attention, à 7, je me décoiffe. 7. Et en fait, à 8, tac, je remonte. Donc, à 7, je suis bien dans les genoux, déjà pour être stable, pour arriver bien droite. Et 8, tac, je remonte. De là. Donc, petit rappel, hein, toujours pour vos tours. Et il y a un spot, donc vous regardez là devant où vous allez, notamment là sur le tour à droite, gainer et plier bien dans les joues. Donc tac, 8, vous pouvez rajouter cet effet de style. Ensuite, je fais un pas de base, 1, 2, 3. Et là sur 5, 6, 7, je vais donner des coups d'épaule. Donc vous pouvez en donner 2, 3, vous pouvez faire droite, gauche, droite, en même temps qu'on fait les pieds. Donc, ça vous apprend aussi un petit peu à dissocier vos pieds du reste de votre corps là et notamment de vos épaules. On verra aussi l'isolation par la suite. Donc ça fait 1, 2,
3, coup d'épaule, 5, 6, 7, et là je refais un bop, et 1, donc avec le même bras qu'au début, 2, 3, je me coiffe, et même chose sur 5, 6, 7, 5, 6, 7, je sors mon bras gauche. Alors là, ce que je fais parfois, donc je fais et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je viens tirer mon pas en fait. Donc je vais faire 5 jambes gauche, 6 jambes droite, de là, tout est normal. À la place de venir poser mon 7 au niveau de ma position centrale, pour ajouter un petit effet de style, je fais 5, 6, et mon 7, je vais aller chercher derrière. 7, et je laisse traîner ma jambe droite. Et ensuite, je peux reprendre mon pas de base, 1, 2, 3. C'est quelque chose de tout simple à faire que vous pouvez rajouter justement dans ce châle. Ou vous pouvez faire le pas de base normal. 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7, c'est parti. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, c'est parti. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7.